Alors, bienvenue au musée. Welcome to the museum. Alors, ce matin, nous allons, avant de commencer la présentation, j'aimerais vous présenter notre nouvelle conservatrice en chef, Marie Fraser. C'est la première fois publiquement que j'ai l'honneur de vous la présenter et je suis très contente qu'elle soit parmi nous. Marie a une grande expérience dans le domaine de la muséologie, dans la recherche en histoire de l'art. Également comme commissaire d'exposition. Elle est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art de l'Université de Montréal. Elle enseigne à l'UQAM au département d'histoire de l'art et du programme en muséologie. Et elle est avec nous depuis le 7 janvier, mais sera à printemps au musée à compter du 1er juin prochain. Alors, la piste de l'écouter. Alors, nous lui souhaitons la bienvenue et nous sommes très fiers de l'avoir parmi nous. Merci. Maintenant, nous allons commencer la présentation de nos trois expositions. Trois expositions dont je suis fière aussi de vous parler, qui concernent trois artistes. Le premier, parce qu'on est dans la salle d'Étienne, je présente Étienne Zach, qui est à ma droite, et à ma gauche, Mme Martineau, et Anne Marcel Zaman. Voilà. Alors, ces trois expositions dont on concerne sont vraiment, on peut dire qu'elles sont différentes les unes des autres par le genre, mais elles ont des affinités. En fait, bien sûr, ce sont trois artistes qui ont en commun la jeunesse, ça on peut dire, mais dont l'utilisation des matériaux est fort différente, mais qui aussi possèdent, en fait, en commun, c'est une facture audacieuse et inattendue. Et aussi, je pense personnellement que c'est par la mise en abîme qui se rejoint dans la thématique. Mise en abîme de la peinture pour Étienne, mise en abîme du corps principalement pour Marc et mise en abîme de l'être pour Marcel Zaman.